Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto, comment trouver la nouvelle clé USB qui possède des musiques à l'intérieur sur GTA Online. C'est parti! Depuis ce matin, il y a à peine une heure et demie, une nouvelle clé USB est disponible sur GTA Online. Mais pour cela, il faut la trouver, il faut faire quelque chose. Dans un premier temps, vous sortez votre téléphone, vous allez dans Contact, vous faites carré, si vous êtes PS5, Xbox, je ne sais pas le bouton, pour taper un numéro. Tapez ce numéro et appelez-le. C'est DJ Pooh, autrement dit la radio West Coast Classic. Il vous dira simplement où aller, il va vous donner un point sur la map, vous y allez et vous cherchez la clé USB. Attention, plus vous vous rapprochez de la clé USB, plus votre manette va vibrer. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à la ramasser simplement. Et vous débloquerez les fameuses musiques pour votre voiture. Je ne sais plus si ça fonctionne dans les intérieurs de bâtiments, mais vous aurez compris l'idée. Pour mettre ces musiques dans votre voiture, vous ferez le menu interaction, préférences et lecteur média. Et ensuite, vous sélectionnerez cette nouvelle clé USB qui s'intitule Even the Score. Et après, vous n'avez plus qu'à rentrer dans votre véhicule et sélectionner la radio lecteur média. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et puis qu'elle a pu vous aider surtout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le partage pour faire connaître la chaîne, et surtout ce tuto, le like, qui fait plaisir et puis qui soutient la chaîne. Et puis on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse, tout le monde porte bien, et passez une excellente semaine.